généreux et optimiste. Têtu, c'est un homme très têtu. Il déteste le vide, il a le vertige. Il n'est pas du tout manuel. Il a une belle plume, mais pas manuel. Je dirais être un bon papa. Un papa, papa cadeau, papa poule, papa Kinder Bueno, enfin. C'est de la Watt. L'écriture. Il adore écrire, s'enfermer dans la chambre. S'il pouvait s'en aller un mois loin de tout et écrire, il le ferait. Vous n'êtes pas d'accord? C'est sympa, on la remercie. Hein. Merci Christine d'avoir accepté de témoigner. Je suis très surpris. Mais oui, hein, on a. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup dans les médias. Non, c'est vrai. C'est pour ça qu'on était particulièrement heureux. J'adore, je l'embrasse. Je crois qu'elle vous adore aussi. Hein. Il me semble. Elle nous a parlé de l'écriture, bien sûr. Oui. Vous aviez écrit un roman, d'ailleurs. Tout à fait. Novilu. Oui, oui. Publié en 2007. Vous allez en écrire un autre? Alors, je suis en train d'écrire ce que j'espère être le scénario d'une fiction. D'un long métrage. Voilà, d'un long métrage. Ouais. Que vous allez ensuite. Réaliser ? Réaliser, non. Produire, parce que je ne suis pas réalisateur, produire, mais ouais, j'aimerais bien participer effectivement à la naissance de ce... Mais c'est inspiré d'un... Cinéma. Cinéma. Ouais. D'un fait divers, de l'actualité, parce que c'est votre matière première. Pas du tout. Non. Quand j'écris, je me dissocie complètement de... Alors, pas de l'air du temps et pas de thèmes de société qui me sont chers, mais de l'actualité. Mais ça parle de quoi, alors ? Je ne peux pas le dire maintenant. C'est trop tôt. Il est secret.